Colle tout partout présente un produit, un avis. Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, un produit, un avis. Parce qu'il en faut. De temps en temps, il faut donner son avis. Il n'y a pas. Donc là, c'était pour vous parler de ce que j'ai acheté. Je viens de me pincer le doigt avec le trépied là qui m'énerve. Et ça m'a fait hyper mal, ça m'a fait un espèce de pinçon. Là. Bref, un produit que j'ai acheté, vous savez qu'on voit partout sur YouTube les vidéos Diamond Painting là. Et bah voilà, bon, il y a certaines toiles, je trouve ça joli, il y en a d'autres non. Non, c'est pas mon truc quoi. Et mais j'ai dit, mais quand même, j'ai quand même envie d'essayer. Parce que voir quoi, voilà. Et donc chez Action on trouve ces petits kits là. Hein, c'est pas plus grand qu'une carte postale. Je vais vous dire, hein, c'est pas, voilà. En fait c'est pour faire des petites cartes postales. Elles font 10,5 × 15. Donc on trouve ces petits kits là. À l'intérieur vous avez des cartes, des enveloppes, les petits diamants, les petites perles là, et puis ils se mettent avec un petit stylet comme ça. Je vous montre hein, une petite. Par contre, alors là, je vais vous dire quelque chose que je trouve ça hyper nul. C'est ce que j'allais vous montrer. C'est ça. Ça n'a pas loupé. Dès que j'ai mis mes trucs dedans, j'ai fait un geste, ça a volé. C'est hyper léger. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça assez nul. Même pour attraper ces petites perles au milieu. Je trouve pas ça génial. Donc du coup, moi j'avais pris ma boîte cœur là, comme ça, en carton. Voilà. C'est un peu plus stable. Voilà, là, j'en ai encore mis partout là. J'ai juste pris le truc, ça a volé. Je sais pas. Donc ils mettent ça, c'est ce qu'on trouve partout. Le petit stylet. Et ça, c'est des petits carrés comme ça. Vous voyez, ça s'est collé dessus. Parce que c'est typique moi. Hein. C'est comme ça. Je suis pas spécialement soigneuse. En même temps, je vais pas passer ma vie à faire des trucs rangés, hein, ça m'énerve. Donc voilà, ça c'est pareil, ils en ont mis un seul. Bon, j'ai pu tout faire avec. Hein. Il y avait combien? 4 cartes, j'ai fait les 4. Et ça, c'est une espèce de petite. Pas très clair. Hein. Une espèce de petit carré, on dirait du silicone, mais c'est une colle. Il suffit de prendre votre stylet. Le pousser dedans, ça fait un petit trou et ça va choper, vous voyez, le petit truc rose, ça prend de la colle. Voilà, ça prend de la colle. Et avec ça, votre truc qui vole là, vous chopez la petite perle. Où est-ce que je suis? Vous prenez la petite perle et vous allez la poser sur votre carte. Donc voilà ce que ça donne. Alors donc à chaque fois, il y a des petites pochettes comme ça avec des lettres. Je sais pas pourquoi ils ont mis 2. Je sais pas, ça sert à rien. Enfin, vous voyez, il y a des lettres E, J. Enfin, vous voyez, il y a toutes les lettres. Et là, si j'ai pas gardé ça. Attendez, je regarde s'ils en mettent dans l'exemple. Vous voyez, il y a les enveloppes. Bon, il vous explique, il y a même un petit fascicule. Hein. Apparemment, il vous explique comment faire. Il y a les petites enveloppes. Non, il n'y a pas écrit. Mais à la place de chaque petite perle, vous avez une lettre. Donc, bah, les jaunes, si c'est des J, vous allez coller tous les J. Ce sera écrit J. Voilà. C'est le principe un peu du. Je sais pas, du puzzle, du. Je sais pas. C'est entre le puzzle, le point de croix et voilà quoi. Mais comme le point de croix, c'est du fil, des aiguilles, j'ai horreur de toucher ça même. Donc voilà, ça, à la limite, voilà. Donc là, j'ai fait déjà. On voit pas trop. Est-ce qu'on voit? On voit pas. Mais ça brille. Il y a plus brillant que ça. Hein. J'en ai déjà vu des plus brillants. J'ai fait le petit oiseau. Le petit cochon. J'avais acheté pour cochon. En fin de compte, je trouve que c'est l'oiseau qui est plus joli. Le petit cochon. Le petit chien. Et toujours ce chien-là. Hein. Vous remarquerez partout.
Que ce soit les die-cut, c'est toujours ces chiens-là. Hein. Et le petit chat. Voilà. Avec les roses, voilà. Bon, ceux-là, ils sont assez... ce que j'aime bien, quand même, c'est qu'il y a un mélange. Vous voyez, c'est que le reste, c'est de la photo, quoi. Et là, j'aime bien le mélange. J'ai cherché sur Ali, tout ça, et j'ai pas trouvé. J'ai vu que des trucs... Ah si, peut-être sur Ali. C'est Amazon que j'ai pas trouvé. Et donc, voilà. Et je disais, c'est autour de 2 euros. Je sais pas si c'est 2,30 ou moins de 2 euros. Je sais plus. C'est pas 3 euros. Ça doit être, bon, allez, on va dire 2,30 en moyenne. C'est pas cher. Et ça vous permet de tester. Voilà, de tester. Mais ça m'a fait vachement mal, le pinson, là. Ça vous... En plus, ça pique. Ça vous permet de tester si ça va vous plaire ou pas. Et contre toute attente, je dis bien contre toute attente, j'en ai fait un. J'ai commencé un deuxième. Bon, déjà, c'est vrai que c'est pas des gros, c'est pas des gros motifs. Hein. Et j'avais envie d'en refaire, de continuer. Vous voyez, j'avais envie de... c'est pas des arts, en fin de compte, parce que ça détend. Et... je sais, c'est pas des arts à faire. J'ai bien aimé quand même. Maintenant, c'est petit. Est-ce que sur un grand tableau, c'est pas lassant? J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, merci Action, parce que ça m'a permis de tester, de voir ce que c'était, de voir si éventuellement j'accroche ou pas. Ou voilà, ça peut aussi ne pas du tout vous plaire. Mais j'avoue que quand on commence, il y a un petit goût de reviens-y, on sait pas pourquoi. Et on se dit, ouais, c'est pas si mal. C'est pas des affaires à faire. Voilà. Et c'est tout. C'était pour vous dire ça. Alors, je sais qu'il y a les oiseaux. Il y a plusieurs modèles. Il y a les animaux, les fleurs. Enfin, il y a plusieurs trucs. Donc, voilà. Il y a au moins trois modèles de boîtes. Et, voilà. C'était pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire ça. Et, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Donc, je... Si vous avez envie de vous essayer à la DP, et ben au DP, je ne sais pas si on dit le, non, c'est le Diamond Painting. Peinture diamant, quoi. Et ben allez-y. C'est un moyen de savoir si ça va vous plaire ou pas. Parce que moi, sincèrement, je ne suis pas. J'aime bien que ça aille vite, je ne suis pas spécialement patiente. J'aime bien que mon résultat aille vite. Voilà, donc je me suis dit, bon. Là, encore une fois, c'est des petits sujets. Est-ce que sur un grand truc, ça va me passionner? J'en sais rien du tout. J'espère que j'enregistre. Il ne manquerait plus que j'enregistre pas. Bon. Et ben voilà, les amis, c'en était tout pour un produit à la vie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'en sais rien, mais au moins renseigné et puis appris que ça existe chez Action. Vous pouvez vous y essayer. Et voilà. Et je remercie les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Je remercie Ninette, Dylan, Nani de l'atelier de Nani. Voilà, qui ont gentiment parlé de moi et puis qui m'ont fait venir quelques personnes. Voilà. C'est gentil à vous. Et puis, les petits. Où est-ce qu'ils sont mes machins? Ça, les ATH. Il faut être abonné à ma chaîne. Et je réponds en général à tous les commentaires. Quasiment, même si parfois j'ai du retard, mais je réponds. En tout cas, quand j'ai mis un petit cœur, c'est que j'ai eu votre commentaire. Et je voulais dire aussi aux personnes qui souhaitent participer, parce que je leur ai répondu, puis ils ne me répondent pas, elles ne me disent pas, et je ne reçois pas de mail. Je ne donne pas mon adresse comme ça sur YouTube, c'est logique. Hein. Déjà, je donne mon email, j'aime pas spécialement, mais enfin bon. Parce qu'après, c'est le débordement. On reçoit plein de trucs à la noix. Là. Et surtout qu'il y a pas mal de... Comment? De hackers, de trafic, de tout. On voit ça pas mal. Donc, d'ailleurs, méfiez-vous de ça. Et donc, aux personnes qui voudraient participer, je leur ai dit, je leur ai donné mon email. Vous m'écrivez. Et puis, quand je reçois votre mail, je vous... Forcément, j'ai le vôtre, donc je vous envoie mon adresse. Voilà. Mais sinon, je ne vais pas mettre mon adresse en réponse aux commentaires. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, j'ai pas d'autre moyen. C'est comme ça, tout le monde fait comme ça. J'ai pas d'autre moyen et ça vous permettra de m'envoyer votre petit
car. Voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc regardez, parce que les commentaires, si vous m'avez posé une question, quoi, j'y réponds. Donc voilà, si vous lisez pas, je regarde pas là, mais en fait, je sais pas, c'est peut-être pareil, il faut regarder. Si vous ne lisez pas le commentaire, vous ne saurez jamais la réponse. Voilà. Alors, bah, c'en est tout, les amis. Ah ouais, puis en fait, je vous ai pas dit. Ouais, en fait, ça, où il y a le sujet, c'est collant. Il y a une plaque comme, il y a une petite feuille en plastique comme ça, là. Vous décollez petit à petit, vous enlevez, ou pas, vous pouvez tout enlever, là, c'est un petit sujet, hein. Donc, il y a de la colle au bout de votre stylet, et il y a de la colle là-dessus. Et après, je crois, mais moi, j'ai pas ça, mais vous passez un rouleau dessus, mais vous pouvez passer un rouleau, je sais pas, vous faites ça, hein. Vous passez un rouleau dessus, je crois même qu'après, on peut coller avec de la créa patch, avec de la, avec du vernis colle, pour que les petites pierres tiennent ensemble, ou il y a des personnes qui mettent leur tableau sous verre. Voilà, j'en ai fini. La fille, elle est accro au Diamond Painting. Pour vous dire, j'étais bon. AliExpress, j'en ai vu. C'est nettement moins cher. C'est-à-dire que la même toile Amazon, c'est 14 euros. Eux, c'est 3 euros, quoi. Donc, ça n'a rien à voir, bien évidemment. J'en ai vu sur Amazon aussi. Donc, les motifs, si, il y a des trucs... Il y a des trucs jolis, hein. Il y a des trucs shabby, tout ça, des trucs jolis. Ah, puis j'ai eu une demande de partenariat, je leur ai répondu. Eux, c'est pareil, ils m'ont pas répondu non plus, avec je sais pas, je sais rien, on verra. Alors j'ai choisi un truc, mais bon. Et j'ai pris, franchement, là, ce que je regarde comme taille, c'est 25 sur 25. C'est-à-dire, je veux pas un grand truc. Voilà quoi. C'est vraiment un peu quand on a un petit quart d'heure devant soi, voilà. Hein, parce que bon. Déjà, je peux pas rester assise. Longtemps, donc voilà quoi. Et ben c'est tout les amis, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant, puis ça fait plaisir à YouTube, et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis on se retrouve vite. J'ai fini mon album de Noël, je vais pas vous le montrer là, je le montre, oh, je suis pas spécialement contente, hein, mais bon. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que Noël, là, on arrive en février, donc... Voilà, c'est un peu dépassé maintenant. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des trucs Saint-Valentin. Mais encore, je suis pas à fond pour la Saint-Valentin. Bon, enfin, ça peut être mignon. Enfin, bon. Voilà, quoi. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une future vidéo. Bisous, bisous. Bye, bye.